aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de Yann en vacances. Alors aujourd'hui on voit quelqu'un qui n'était pas prévu au programme. Donc je vais à la tournée TF1 mercredi avec Marc Emmanuel, tous les danseurs de Danse avec les Stars, etc. Et en fait aujourd'hui j'ai appris qu'ils étaient à Gruissant, donc c'est une ville pas loin, et qu'il y avait Ryan Benzetti. Et comme c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup beaucoup beaucoup, je me suis dit que ça serait con de le louper. Donc du coup on y va là bientôt, on est le lundi 3 août. Je vous emmène avec moi aujourd'hui et mercredi. Bon vlog. Merci de faire une ovation s'il vous plaît. Vous êtes prêts à l'accueillir? Faites du bruit pour Bénixa Ikonomova. Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent vraiment? On est 206 là. Ah, c'est pas mal. C'est quoi ta moyenne à toi d'habitude? Non, là c'est une très bonne moyenne. Voilà. J'aime son accent. Oh, merci, c'est gentil. Comment t'as trouvé la mode de vous? Ah, t'as fait une dédicace là-bas. Ah, c'est vrai. Honnêtement, c'était très bien. C'était la première fois qu'on y allait à un tournée, moi aussi. Ah ouais, bien sûr. Et c'était top. On était juste à côté de la gare, les trains passaient. On s'amusait. En tout cas, c'était un très beau site, moi je trouve. Est-ce que tu vas danser en Suisse, on nous demande? J'espère. J'aimerais bien en tout cas. En Belgique? Mais en Belgique, on fait la tournée. On va en Belgique avec la tournée d'Als. Du coup, oui. On me demande d'où vient ton accent. Alors là, il est 1h20 et ce matin, on a rencontré Denitsa et Vincent Asta et cet après-midi, on rencontre Ryan. Donc je vous emmène de nouveau avec moi cet après-midi. C'est une après-midi qui promet. Il a mis de l'eau chaude en plus. Ouais, c'est un peu chaud. J'ai envie de te voir. Allez, quoi, ok. Eh ben, c'est parti. Je crois qu'on va aller les voir par ici. On a des dédicaces. Vous préparez. C'est la première fois. Fais voir. C'est la première fois. Ouais, beau gosse. Si, t'es bien. Sauf que t'as 11 ans et demi dessus. Quoi. Mais oui, c'est bon. Si tu veux qu'on parte dans la vanne, on peut y aller. Mais t'as perdu. Allez. Allez, c'est le moment de récupérer également les bracelets rouges. Alors, allez-y auprès de notre animatrice. Thank you.
Tu peux juste dire coucou Inès. Salut Inès, j'espère que tu as bien. Regarde Instagram, regarde Instagram. Juste là, je rentre de la plage et en fait, j'ai rencontré Katrina, Coralie et Fauve à la plage donc. Et j'ai vu Ryan et Denitsa au balcon de leur hôtel. Donc je vous mets les photos tout de suite et les vidéos. Et puis ben, on se retrouve demain pour le reste de la tournée TF1. Bisous. Ok, donc là on est le mercredi 5 août, il est je sais pas quelle heure, il doit être vers 9h30 je crois, et là on va à Narbonne plage voir la tournée TF1 et je vais rencontrer Maxime de Rémez et Marc-Emmanuel aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi. Marc-Emmanuel est notre invité, sera là cet après-midi. Est-ce que vous avez une idée? Maxime! Si vous avez des idées, il est beau, il est avec nous. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour monsieur Maxime de Rémez. Et on joue
joie pour tous les participants, il y aura déjà un cadeau. Donc il y a tout à gagner. Mon cheval, il est parti. Ouais, ouais. Allez, tiens-toi. Cheval, cheval, cheval. Ok, on est bon. Allez, donc on place notre cargirl. Notre cargirl, elle est sexy. Donc l'élément numéro un d'une cargirl sexy, c'est quoi? C'est botte. Alors, ben non, mais on va en mettre. On va en mettre. Ben ouais, hein. On parle n'importe comment au Québec. C'est bon. Alors, on met nos bottes. Спасибо.
arranger tout le monde. Bien le flash, bien. C'est à minuit, la tête dans le son, tu sais. Lisa. Allez. Merci. Lisa. Avec plaisir. Attention, ça va. Yann en vacances.